et à mesure de la mise sous tension de la ligne, on voit certains tronçons. Et puis, les raccordements, comme on en fait un aujourd'hui sur Jean-Lys, ça nous permet de vérifier que la pose de voie sur l'aiguille d'entrée de la SGV, le raccordement lui-même, tout cela, que ça tout se passe bien. Et jusqu'à la vitesse maximale qu'on peut atteindre avec ce train. Voilà, bon voyage à tous, et puis à une prochaine fois peut-être. Sur le site internet pour récupérer toutes les photos que j'ai. Voilà.